Mesdames et messieurs, en ces temps difficiles où la noblesse et donc l'excellence de la naissance est mise à mal par l'inaction à laquelle elle est réduite à exister, et comme l'inactivité est mère de tous les vices, cette noblesse, disais-je, s'est appauvrie au point de devenir à son tour courtisane de ceux qui détiennent désormais les cordons de la bourse. Je veux nommer les bourgeois. Mais comme le caractère du genre humain est loin de se prévaloir maître d'une nouvelle société, les nouveaux riches n'ont d'application que de se réclamer à leur tour de la lignée des gentilshommes. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, c'est pour tous les quotas. Pour que l'habit fasse le moine, ils s'instruisent auprès de savants en noblesse en tout genre, et s'ingénient à devenir ce qu'ils ne sont pas. Ils n'hésitent pas à recourir aux plus habiles flagorneurs, tant la vanité leur obscurcit la vue. Le bon goût et le savoir-vivre désormais s'achètent. Venons à notre leçon. Ah, monsieur,
Je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire style Chivena qui est déchirée de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Oh, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam, sim, doctrina, vita, es, quasi, mortis, imago. Vous entendez cela, mais vous savez le latin, sous doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Et expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous pétez que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Mais qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien concevoir par le moyen des figures. Bambara, Severium, Dari, Ferio, Baraïo. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions et... Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les choses, les propriétés du corps, et les éléments de la nature, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et enseigne aux hommes toutes les causes, des météores, l'arc-en-ciel, les fleuves volants, la pluie, la terre, trop de tamar là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Ou bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et les différentes manières de les prononcer toutes. Là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites, voyelles, parce qu'elles expriment avec les voix. Et en consonnes. Ainsi appelées consonnes, hein, parce qu'elles expriment avec les voyelles. Et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Ah. E. Ah. E.
rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant encore davantage les dents sans les rejoindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les rapprochant aussi sans les rejoindre tout à fait. U. U. Il n'y a rien de plus véritable. Je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous voulez lui écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose, hein? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut bien que ça soit l'un ou l'autre. Pourquoi? La raison, monsieur, qu'il y a pour que s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon voile de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir après cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que le feu de ses yeux réduise votre cœur en sang. Non, 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 je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien un peu étendre la chose. Non, qui dis-je? Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournez bien comme il faut, arrangez à la mode.
je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout cœur, et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment ? Mon ami n'est point encore arrivé. Ah, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant à faire. J'en rage. Que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur ! Que la fièvre étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je... Ah, vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir au plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre avis. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a déjà 2 mailles de rompues. Oh, ils ne s'élargiront que trop. Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour. Et le plus sérieux. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne ainsi coup aux tailleurs les plus éclairés. Hein. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut lire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Oh, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je. Vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande! Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui pourra sembler un pourpoint et le héros de notre temps, et un autre qui, pour monter une reine grave, est le plus grand génie du monde. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah, monsieur le tailleur! Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Hein. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, attendez, cela ne va pas comme cela. Ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie et j'ai amené des gens pour s'habiller en cadence. Voilà, vous autres, venez mettre cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Bonjour, tilleul. Tenez, s'il vous plaît. Ah. Au garçon, quelque chose pour voir. Comment m'appelez-vous? Mon gentilleul. Mon gentilleul. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer habillé toujours en bourgeois. On ne vous dira point, mon gentilleul. Tenez, voilà pour mon gentilhomme.
Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, attendez, mon ami. Monseigneur mérite quelque chose, et ce n'est pas d'une petite parole là que Monseigneur. Tenez, voilà pour Monseigneur. Monseigneur, nous allons boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh. Attendez, ne vous en allez pas. Moi, votre grandeur, ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, je le remercie très humblement de ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner. Où est Nicole, que je lui donne quelques ordres? Pour quand on n'aurait plus de jambes. Est-ce que vous avez pris quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes,
l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez songer à marier votre fille, qui est en âge de pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour enfant de potage, un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous point au collège un de ces jours vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir le fouet tout à l'heure, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collège. Ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Cela est fort nécessaire pour conduire votre maison, hein? Rassurez-moi. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Ah, je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Est-ce que c'est? Des chansons. Et non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien! Comment est-ce que cela s'appelle? Mais cela s'appelle comme on veut l'appeler. Oh. C'est de la prose, ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vert. Et tout ce qui n'est point vert... n'est point prose. Enfin, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Il y a un U? Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui. Mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas et annonces des lèvres d'or. Vois-tu, je fais l'amour. Oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. Ah, oh, c'est bien autre chose si vous aviez vu. Oh, et da, da, et fa, fa. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce qu'a dit Mathias là? Qu'est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand est-ce que vivent de maîtres d'armes qui auront plus de poutre au ménage. Ce maître d'armes vous tient bien à cœur. Je te veux faire voir ton impertinence. Raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en quatre, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Sois la coquine! Vous venez de pousser! Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en quarte! Et tu n'as pas la patience que je parle! Ah, vous êtes fou, mon mari, et toutes vos fantaisies! Cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse! Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement! Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie! Oh oui, il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles! Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Paix ! Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui ? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi tout comme je vous parle. Ne m'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent ? Une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal.
Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oh oui, il a des bontés pour vous, il vous fait des caresses. Mais il vous emprunte votre argent! Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Basta! Je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Et avant qu'il soit... Oui, attendez-vous à cela. Assurément. Ne me l'a-t-il pas dit? Oui, il ne manquera pas d'y faillir. Il me tiendra parole, j'en suis sûr. Chanson! Ouais. Vous êtes bien obstiné, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole. Et moi, je suis sûr que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjoler. Enjolez-vous, le voici. Oh, il ne faut plus que cela. Il vient peut-être vous faire encore quelques emprunts. Et il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Taisez-vous, vous dis-je. Ah, mon cher ami Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Je porte bien, monsieur. Pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, Monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Ah, il gratte par où il se démange. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. L'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin, dans la chambre du roi. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, dans la chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Et je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'importe. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez fait la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous... Et je sais rendre ce qu'on me prête, et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je n'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaires avec vous, et je suis venu ici pour faire nos comptes ensemble. Eh bien, vous voyez votre impertinence, ma femme. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Vous voyez? Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Vous avec vos soupçons ridicules. Donnez à vous une fois 200 louis. Vous l'avez vrai. Une autre fois 620. Et une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Oui, la somme est juste, 5060 livres. Oui. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Oui, il est vrai. 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols, 8 deniers, comptez, je vais sous. Et 1748 livres, 7 sols, 4 deniers, à votre cellier. Oui, tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale, 15 800 livres. 15 800 livres. Somme totale est juste. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Et ça fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien,
yeux. Oh, c'est un vrai enjôleur. Ah, taisez le bouton. Mais qu'à me dire si cela vous embarrasse. Non, monsieur. Et j'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelque autre. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, monsieur. Je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez lui donner cela? Que faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe! Vous semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée? Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, eh bien, où elle est? Et comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point un de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, nous avons fort envie de rire, fort envie de rire, nous avons. Ah, je pense, madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur! Est-ce que madame Jourdain est décrépite et la tête lui grouille-t-elle déjà? Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise les mains. Votre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le repas et le ballet. Et je l'ai enfin fait consentir au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Et c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Je me trompe fort ou la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Plutôt ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ce sont, monsieur, des bontés qui me confondent. Et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Mais ne feriez-vous pas, pour moi, la même chose si l'occasion s'en offrait? Oh, assurément, et de très grand cœur. Ah, que sa présence me pèse sur les épaules! Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vite que je m'offris d'abord de moi-même à servir votre amour. Oh, il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira pas? C'est trop bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Et les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterai au prix de toute chose. Je me demande ce qui se raconte. Va-t-on un peu prêter l'oreille, tout doucement? Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue. Et ma foi, vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dîner. Vous avez fait prudemment et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses nécessaires pour le ballet. Elle est de mon invention, et pourvu que l'exécution réponde à l'idée, je suis sûr qu'il sera... Oh, vous êtes pas impertinente! Sortons, s'il vous plaît! Oh, ma foi, madame! La curiosité m'a coûté quelque chose, mais je crois qu'il y a quelqu'un en Guissouroche, et il parle de quelque affaire où il ne veut pas que vous soyez. Ah, ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari, et je travaille à deviner ce que c'est peut-être. Mais
Bonjour, ma fille. Tu sais l'amour que Cléon t'a pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux aider sa recherche et lui donner Lucille, si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir de ce sentiment-là, car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je souhaiterais que notre mariage se puisse faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui en parler de ma part et lui dire qu'il me vient de trouver tout à l'heure, ici, pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Vous voilà tout à propos. Je suis bien aise de vous voir. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander ma fille en mariage. Ah, madame, que ces paroles m'est douce. Et quelle flatte de mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur? De personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elles m'ont tout chassé pour m'en charger moi-même et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentil. La plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne faut aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'a pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom d'autre à ma place croirait pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis pas gentil. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme. Vous n'aurez pas ma fille. Mais que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonnes bourgeoisies? Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand si bien que le mien? Oh, peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des mal avisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Oh, taisez-vous, impertinente! J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse reprocher à ma fille, ses parents, et qu'elle ait des petits-enfants qui honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on entendrait aussitôt sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, c'est madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain. Elle n'a pas été aussi bien relevée que la voici. Et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent peut-être maintenant bien cher à l'entremonde. Et on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Et je veux un homme qui met obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Venez mon gendre, asseyez-vous et dînez avec moi ». Voilà bien les sentiments d'un petit esprit que de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse.
si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus, que l'exemple serait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison, mais je ne croyais pas qu'il fallait faire ses preuves de noblesse pour être gendre de M. Jourdain. De quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient. Pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Quoi donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici, et que je prétends faire entrer dans une bourde, que je veux faire notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais il est homme à jouer son rôle à merveille. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts. Laissez-moi faire seulement. Apprends-moi. Diable est cela. Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a que leur et que civilité avec eux, et je voudrais qu'ils m'eût coûté deux doigts de la main et être né contre tout marquis. Pour vous régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trouvants témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une civile opiniâtrité qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Des visites fréquentes ont commencé, des déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont entraîné les sérénades et les cadeaux que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis répondre de rien, et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage, donc je me suis tant éloignée. Quoi, madame? Vous y devriez déjà être, vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. Oui, vous me fassiez tout mon bonheur. Mon Dieu, Dorante, il faut bien les deux pas pour vivre heureusement ensemble. Et les plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une qu'elle engage plus que je ne voudrais, et l'autre que j'en suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez, et je ne veux point cela. Ah, madame, ce sont des bagatelles et ce n'est pas par là... Je sais ce que je dis, entre autres ce diamant que vous m'avez forcé à prendre d'un prix. Ah, madame, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Et souffrez que... Voilà le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu. Pour la troisième. Madame, Monsieur Jourdain sait son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite, pour mériter un mérite comme le vôtre,
et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des... Oh, voilà, c'est Monsieur Jourdain. Madame n'aime pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit. Mais c'est un bon bourgeois, assez ridicule comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Trop d'honneur que vous me faites. Galant homme tout à fait. Moi non, pourquoi? Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez garde au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment regardez-vous-en bien? Cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez, comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Bien obligé de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui me faites les grâces. Et... Allons, allons, songeons à manger. Si Félicien s'en était mêlé, tout serait sans les règles, il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. Alors de vous parler d'un pain de riz, d'un biseau doré, relevé de croûte partout, d'un vin sève, velouté, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d'amant. De perdrix, relevé d'un filet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue de jeunes gros dindons, cantonnés de pigeonneaux, couronnés d'oignons blancs, mariés avec la chicorée. Pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme M. Jourdain l'a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh, madame, que voilà de belles mains! Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain, mais vous voulez parler du diamant qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Je ne saurais pas agir en galant homme, et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons, conserve du vin, monsieur Jourdain. Et à cette personne qui nous fera la grâce de nous chanter un air à voix. Thank you.
puisse me chanter. Mais cela est tout à fait magnifique. Ah, je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant plus que je ne le pensais. Pour qui prenez-vous, monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prenne pour ce que je dirais. Encore? Vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte, hein. Ah, il est homme qui a toujours la riposte en main. Ne voyez-vous pas, madame, que monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit, hein. Madame, si je pouvais ravir votre cœur... Ah! Je trouve ici bonne compagnie, mais je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, vous avez tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas, et je trouve ici un banquet à faire noce. Voilà comment vous dépensez tout votre bien. Et c'est ainsi que vous festinez les dames, que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain, et quelles fantaisies sont les vôtres d'aller vous mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, qu'il ne fait que me prêter sa maison, et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois bien assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Je ne suis pas une bête. Fort vilain pas vous pour un grand seigneur de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, ce n'est ni beau ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Mais que veut donc dire tout ceci? Allez, Doran, vous vous moquez de m'exposer au sot désordre de cette extravagance. Madame, courez-vous. Madame, madame, monsieur le comte, faites-le excuser et tâchez de la ramener. Impertinente que vous êtes! Voilà de vos bons faits! Vous venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi les personnes de qualité! Mais je me moque de leur qualité! Je ne sais qui me tient, maudite, que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler! Je me moque de cela! Ce sont mes droits que je défends! Et j'aurai avec moi toutes les femmes! Arrivé là, bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses, et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela? J'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu, vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui. J'étais grand ami de feu, monsieur votre père. De feu, monsieur mon père? Oui. C'était un fort, honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Que c'était un fort, honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Vous l'avez fort connu? Assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? C'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il allait en choisir de tous les côtés. Les faisait amener chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Ah, vous m'obligerez. Quel sujet vous amène?
depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Assurément. Et je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand turc est ici. Moi, non? Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Et tout le monde le va voir. Il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Moi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand turc? Oui. Il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand turc? Le fils du grand turc, votre gendre. Comme je le fis voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi et après quelques autres discours, il me dit « Asiam clank solaire à Mustaf !» C'est-à-dire, là du point de vue d'une jeune belle personne qui est la fille de M. Jourdain, un gentilhomme parisien. Le fils du grand turc dit cela de moi? Oui. Et comme je lui fais remarquer que je vous connaissais particulièrement, « Ah, me dit-il, Marababa Saen, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. » Marababa Saen, veut dire, ah, oh, que je suis amoureux d'elle. Oui. Oh, par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa Saen eût voulu dire, ah, oh, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce turc. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamouchen? Kakarakamouchen? Non. C'est-à-dire ma chère âme. Kakarakamouchen veut dire ma chère âme? Voilà qui est merveilleux. Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité en ce pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi. C'est-à-dire, en l'autre langue, paladin. Paladin, ce sont ses anciens. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand turc m'honore beaucoup. Et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte, et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand turc. Et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand turc ressemble à ce Cléonte à peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré, et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Je l'entends venir le voir. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler aux gens de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Karikar Kamboto Ustin Mora. Ustin Yok Katamariki Bazumbazara Mora. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque me l'en trop, et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osa binamem, Tadok Babali, Orakaf Uram. Il dit que vous allez vite avec lui, vous préparez pour la cérémonie, afin de conclure ensuite le mariage. Tant de choses en deux mots? C'est comme cela. Allez vite où il souhaite.
toi. Cela est tout à fait drôle. Quand il aura appris son rôle par cœur, il ne pourra pas le mieux jouer. Monsieur, je vous prie de nous aider séant dans une affaire qui s'y passe. Coquier, comme te voilà, Justin, mais qui t'aurait reconnu? Vous voyez? De quoi ris-tu? D'une affaire, monsieur, qui la mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter ses visions à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de fonctionner, puisque c'est toi qui l'entreprends. Je vois que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Retirons-nous un peu plus loin pour et pour cause. Je vous conterai une partie de l'histoire, tandis que vous pourrez apercevoir le reste. Dieu miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Oh mon Dieu, quelle figure! Est-ce un moment que vous allez porter? Et est-il temps d'aller en masque? Parlez donc! Qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a pagoté comme cela? Vous voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouché. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Mais quelle bête est-ce là? Mamamouchi, c'est-à-dire en autre langue, paladin. Paladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? C'est l'ignorant. Je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mameta per Jordina. Qu'est-ce que ça veut dire? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Voler far un paladina de Jordina. Comment? Dar turbanta con galera. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Per defender Palestina. Qu'est-ce que cela veut dire? Nara, nara, bastonara! Mais qu'est-ce donc que ce jargon-là? Non tener onda, questa star, l'ultima, affronta! Mais qu'est-ce donc que tout cela? Ola, valla, chouma! Hélas, mon mari est devenu fou! Après, insolente, portez du respect à monsieur le mamamouchi! Où est-ce qu'il a bien pu perdre l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Oh, voici justement le reste de notre écu. Oh, je ne vois que chagrin de tous côtés. Oh oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose que l'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver un homme aussi fou que celui-là.
Et puis il faut tâcher de servir l'amour de Cléon et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas et il est digne d'une belle fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et puis il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des affaires absolument magnifiques, et ce sont des choses de rang que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions, et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier avec vous promptement. C'en est là le vrai secret, et toutes ces choses finissent avec le mariage. Ah, est-il possible, madame, que vous ayez pris pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner, et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il ne fût peu, vous n'aurez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, ainsi que mon cœur, et vous en userez de la façon dont il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme, hein. La figure en est tout à fait magnifique, hein. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité. Je me réjouis avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent, et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma part. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est toute acquise. Vous voyez, madame, que Monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent. Et qu'il sait dans sa gloire connaître encore ses amis. Madame, ce n'est pas... Où est donc son attesture que nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs? Le voilà qui vient, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, venons faire la révérence à votre Altesse, et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Et le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez qu'il vous répondra et il parle turc à merveille. Ah, où diantre-t-il allé? Monsieur est un grand signore. Grand signore. Grand signore. Et madame, une grande dame, grande dame. Ah, lui, monsieur, lui, maman Mouchi, français. Et madame, maman Mouchi, française. Je ne puis pas parler plus clairement. Bon, voilà l'interprète. Où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Kakaloum, Babali, Olakaf, Oulam, Belmem. Katareki Touba, Lourid Soter, Alamoucha. Voyez-vous, il dit que le ciel vous donne la pluie des prospérités au jardin de votre famille. Je vous l'avais bien dit qu'il parle turc. Cela est admirable. Ah, venez, ma fille. Approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage.
n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. Et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi? Mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point marier. Ah, mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, quel bruit! Allons, vous dis-je, ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléon, et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités. Il est vrai que vous êtes mon père et que je vous ai entière obéissance, et c'est à vous à disposer de moi, selon vos volontés. Je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille un cadavre prenant. Ah, voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose, et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage, et vous allez de folie en folie. Mais quel est votre dessein que vous voulez vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui. Faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Mais je n'ai que faire du truchement, et je dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Ah, voulez-vous vous taire encore une fois? Non, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là et refusez son altesse turque pour gendre. Monsieur, je vous prie de vous mêler de vos affaires. C'est une grande voix qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point s'embarrasser de ce qui ne vous touche pas. Ah, c'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Ah, je vous passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléante? Ah, que ne fait-on pour être grande âme? Oh, je l'étranglerai de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet! Je vous dis que ce mariage-là se fera! Et moi, je vous dis qu'il ne se fera point! Ah, que de bruit! Ma mère! Allez, vous êtes une coquine! Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Eh oui, elle est aussi bien à moi qu'à vous! Madame? Que me voulez-vous commander, vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur! Moi seulement. Non. Écoutez-le. Non, je ne veux point écouter. Il vous dira. Je ne veux point qu'il ne me dise rien. Ah, voilà bien une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que de m'écouter, après vous ferez ce qui vous plaira. Eh bien quoi? Voilà une heure, madame, que nous essayons de vous faire des signes. Ne voyez-vous pas que le fils du grand turc n'est que Cléon? Moi, comme elle, le truchement. Ah, comme cela, je me rends. Peut-être pas sans l'ombre de rien. Oui, oui, oui. Voilà qui est fait, je consens au mariage. Ah. Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien ce qu'il vous expliquerait, ce que c'est que le fils du grand turc. Il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis ravie. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit, Madame Jourdain. Afin que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez, dès aujourd'hui, la jalousie que vous auriez pu concevoir de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Je consens aussi à cela.